On est arrivé à Pau, maintenant on va mettre les covers comme on les a enlevés tout à l'heure pour le protéger pour la nuit parce qu'il va rester dehors cette nuit. Et puis demain matin, on redécolle à 9h. Je regarde toujours de savoir si, si les tuyères sont plus trop chaudes pour pouvoir mettre les couvertures. Et maintenant, je vais continuer autour de l'avion, déjà avec le cache-pitot de ce côté-là. Les prises statiques, ça c'est super important, les prises statiques. Pas qu'il y ait du gel ou de l'humidité, de l'eau, etc. qui rentre pour qu'on ne soit pas embêté demain. Voilà, là on va couper l'oxygène. Tac, l'oxygène est coupé. Et j'ai plus qu'à mettre le dernier cache-pitot. On n'aura plus qu'à mettre la housse de verrière. Voilà, regardez l'huile, si c'est bon pour demain matin. L'huile est top. Ça, je vous expliquerai dans une vidéo spéciale que je ferai sur la turbine. Je vous expliquerai un peu comment on regarde le niveau d'huile, à quel moment on peut le regarder, etc. Je vais vite fait calculer si on a besoin de kéro ou pas. Il nous reste 206 gallons. Je pense que pour le retour, on va regarder, mais ça devrait être bon. Et sinon, on va appeler le pétrolier qui va venir nous délivrer du fuel encore ce soir. J'aime bien pouvoir être... le lendemain matin, prêt, suffit que le propriétaire veuille partir plus tôt. Et dans ce cas-là, on serait dans une galère. Donc, vaut mieux prévoir tout de suite le kéro. Donc, je vais faire mes petits calculs. Alors, on me donne un niveau, ça c'est nickel. Un niveau 2,80 au retour. Avec, j'ai besoin d'un minimum fuel à 125. On a 206 gallons, donc j'ai pas besoin de faire de carburant. Voilà, donc ça c'est très bien. On va pouvoir aller à l'hôtel plus vite que prévu. Ça nous arrange bien. On va encore mettre la housse de verrière pour être nickel. Et puis voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Allez, ciao. Voilà, c'est parti. On a mis la housse, on a tout mis. On est prêt à aller à l'hôtel. Donc on va aller au lounge déjà pour choper un taxi. Et puis je vous retrouve demain matin de bonne heure et de bonne humeur pour la suite de ce vlog. Demain, on rentre à Toussu, tranquillou bilou. Et puis ce sera deux belles journées déjà. Mais ici, il fait grand beau. Je suis dans ma chambre, je suis prêt, on est mardi matin, 19 décembre, et c'est parti pour une nouvelle journée de vol. Mon taxi va m'attendre à 8h précises devant l'hôtel pour me ramener à l'aviation d'affaires du terminal et de l'aéroport de Pau. Donc je vous retrouve là-bas tout à l'heure pour la visite pré-vol de l'avion et puis regarder un peu l'avion en général, préparer mon plan de vol et je vous retrouve là-bas. Allez, ciao! Le taxi vient de nous déposer et là, on va essayer de rentrer au terminal affaires et puis aller préparer l'avion. Il fait pas froid ce matin à Pau, il doit faire 7-8 degrés, il n'y a pas de vent, c'est couvert, mais il y a de la visite, etc. Donc vraiment aucun problème. À Toussu, c'est pas terrible. Or 400 pieds de plafond, overcast 400, overcast 300 pieds, donc ça passe. Un peu de vent, à une perturbe qui arrive. Hier, on avait 1035 au QNH, on n'a plus que 1028 à l'arrivée et on voit bien la perturbe qui arrive. Et ben super, l'avion est toujours là. D'ailleurs, on est le seul avion sur la plateforme. À Pau, on va pas dire qu'il y a grand monde ce matin. Les hélicoptères de la LAT sont encore au lit. Il est 8h19, on a un décollage prévu à 9h, donc c'est nickel. Le temps d'une visite pré-vol, correct, et puis on va partir tranquillement. Voilà, on fait le tour de l'avion hein, pour voir si tout est en place, etc. S'il n'y a pas d'anomalie. Les pneus, pareil, on regarde s'il n'y a pas d'anomalie sur les pneus, sur une fuite d'hydraulique, etc.
L'oxygène, je l'ai branché. Les prises statiques sont libres. Ici, c'est la balise de détresse. Regarde si elle est bien branchée. C'est bon. L'empennage arrière, la dérive, si tout est en place, les statiques Wix, etc. Si les boudins ne sont pas endommagés. Ensuite, on va aller voir ici. Si c'est en place. Voilà, les prises statiques, les antennes sont en place, pas d'antenne cassée. Là, on va regarder le joint de la porte. Il n'y a pas de problème. Pareil, le pneu, pas de fuite hydraulique au niveau du train d'atterrissage. Les phares sont en place, les boudins, le pod radar. Pareil, devant. Voilà, tout est en place. Ça y est, c'est parti, l'avion est prêt. On n'attend plus que le propriétaire et on va pouvoir partir sur Toussus-le-Noble. On a checké la météo, etc. Je pense qu'on va avoir une arrivée par Odilo pour la rentrée sur la région parisienne où on doit être au niveau 70, donc 7000 pieds. C'est une arrivée face à l'ouest aujourd'hui, ce sera la 25 droite à Toussus. On a une perturbation qui rentre sur Paris à l'heure actuelle. On se retrouve en vol pour des stories un peu sympas. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker avec le pouce bleu. Donc comme je vous le disais, j'essaye d'aider des jeunes. Et là, on est avec Seb. Seb, il a fini son CPL hier américain. Il a des licences FAA et maintenant, il est en train de faire son ATPL européen. Il est en plein dans les livres, ce que tu veux dire. Alors, hier, c'était ton premier vol en TBM. Ouais, c'était mon premier vol. C'était énorme. C'était un vol, l'avion, ce que j'ai volé moi, c'est rien à côté. Le petit Cessna, peut-être ça, c'est une fusée. C'était fou, j'ai pas les mots. C'était incroyable. Ah bah écoutez, c'est génial. J'espère qu'on pourra refaire des vols ensemble. C'est prévu déjà, je crois, le 4-5 janvier. Donc on va voir. On va te faire progresser sans aucun problème. Voilà, aujourd'hui, c'est un vol sur Paris. Donc on va se préparer maintenant et on attend le propriétaire qui devrait arriver dans pas longtemps. Et voilà, nous sommes de retour à Toussus. Encore une journée bien remplie. Les freins sont desserrés. J'ai coupé l'oxygène, etc. Et c'est Farman qui va le rentrer dans son hangar. Voilà. Mais pour l'instant, on va aller chercher un Uber pour pouvoir rentrer sur Paris. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, surtout à ma chaîne, et de liker avec le pouce bleu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour la suite de ma semaine de vol avant Noël. Bye bye.